Voici la présentation du contrôle sur un granulé AQPR PF15. Pour ce contrôle granulométrique, on va utiliser un tamiseur dont les tamis vont de la plus grosse taille de maille en haut à la plus petite taille de maille en bas. Au fond, un socle récepteur récupère les particules les plus fines. Le tamisage est une étape qui permet de séparer les particules d'un mélange en fonction de la taille des particules. Comme le montre la démonstration, un phénomène de vibration du tamiseur va induire un mouvement des particules qui vont passer à travers les mailles des tamis en fonction de leur taille. Les molécules les plus grosses seront retenues par les tamis du haut, et les molécules les plus fines passeront à travers les différents tamis pour se retrouver dans le socle collecteur. Afin de monter le tamiseur, il faut ordonner les tamis en fonction de leur taille de maille, qui est indiquée sur le côté en millimètres. Il sera nécessaire de peser tous les tamis avant le tamisage afin de réaliser les calculs en fin de contrôle. Ici noté MAV pour chaque tamis. Il faut faire attention à la position du tamis sur le plateau. Il ne doit toucher que le plateau de pesée. Afin de réaliser le montage du tamis, il sera nécessaire que les tamis soient tous propres et secs. On mettra en premier le socle récepteur, puis les différents tamis de taille de maille croissante. On finira par le couvercle perforé qui sera relié aux tiges filetées de part et d'autre des tamis. Viennent ensuite les deux vis de serrage qui maintiennent la structure durant l'étape de vibration. Une masse M est introduite dans le tamiseur, ici 100 g. Ce tamiseur est mis en route et la répartition se fait. Une fois l'étape du tamisage finie, chaque tamis contient des granulés de taille homogène comme montré sur la photo. Il sera nécessaire de peser tous les tamis après tamisage afin de réaliser les calculs en fin de contrôle. Ici noté MAP pour chaque tamis. Il faut toujours faire attention à la position du tamis sur le plateau. Il ne doit toucher que le plateau de pesée. Afin de déterminer la masse du produit retenu, il sera nécessaire de réaliser le calcul suivant. MAP, c'est-à-dire la masse du tamis après tamisage, soit la masse du tamis et de la poudre, moins MAV, qui correspond à la masse du tamis vide, nous donne la masse M, c'est-à-dire la masse de poudre retenue par ce tamis. Afin de réaliser l'histogramme, il est nécessaire de calculer le pourcentage de granulés retenus par chaque tamis. On sait que la masse totale de granulés initialement introduite dans le tamiseur est de 100 g. C'est une relation de proportionnalité entre la masse et le pourcentage. On sait que la masse de granulés total est de 100 g, ce qui correspond à 100%. On a retenu comme masse M dans un tamis, donc le pourcentage X égale à M fois 100 divisé par 100. On fait ce calcul pour chaque tamis ainsi que pour le socle récepteur. Ces valeurs seront reportées dans un histogramme. Afin de vérifier la conformité du granulé, nous allons tracer un histogramme. En abscisse, nous mettons le diamètre des mailles du tamis. On commence par le socle récepteur, puis par ordre croissant de taille de maille. En ordonnée, le pourcentage de poudre tamisée. Puis, en fonction du pourcentage, on trace l'histogramme. On inscrit alors à l'intérieur le pourcentage retenu pour ce tamis. On fait de même pour les autres tamis. D'autres contrôles seront réalisés sur le granulé. On déterminera 4 paramètres. Tout d'abord, la vitesse d'écoulement du granulé,
qui permet de régler les machines utilisées ultérieurement, telles que la comprimeuse, et de vérifier la non-adhésion aux parois. Deuxièmement, la densité, car un granulé trop léger ne sera pas utilisable car il ne pourra pas glisser dans les trémies, par exemple. Troisièmement, le volume apparent avant et après tassement, ce qui permet d'évaluer la capacité du granulé à donner de bons comprimés. Quatrièmement, le taux d'humidité. Le granulé est une forme sèche. Son taux d'humidité résiduelle doit être bas, afin d'éviter le développement microbien.